Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message angélique de ce mercredi 6 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. La petite philosophie de ce matin est « Lorsqu'on agit avec précaution et mesure, on s'épargne bien des déconvenues et des malheurs. » Aujourd'hui, j'ai pigé l'ange de la générosité, source intérieure, bonté, altruisme. La générosité, c'est aussi important. Vous savez, nous trouvons toujours sur notre route les fruits du bien ou du mal que nous avons semés, n'est-ce pas ? Évidemment, c'est nous qui les avons semés. Telle est la loi universelle, n'est-ce pas ? Puisses-tu récolter, eh bien, les fruits du bien et de la beauté que tu auras semés sur ton passage. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Eh bien, aujourd'hui, engage-toi. Engage-toi à offrir ton soutien aux autres. Engage-toi, eh bien, dans des actes d'amour et de compassion envers les autres. Et c'est ainsi que ta générosité t'apaisera. Et c'est ainsi qu'elle effacera aussi tout sentiment de solitude. Tu sais, en laissant jaillir ta source intérieure de bonté et de générosité, car tu as énormément de bonté et de générosité en toi, à travers tes gestes, tes paroles, tes pensées et tes ressentis, eh bien, tu permettras à l'autre de voir le divin dans tes yeux. L'ange dans ton sourire et le ciel entier dans la personne que tu es. Alors, sache aussi être généreux avec toi-même. C'est aussi important. Pas qu'avec les autres, il est important de te garder du temps de repos pour ton corps et ton âme. Tu sais, être généreux, cela ne veut pas dire se sacrifier, n'est-ce pas ? Utilise des pensées, des paroles et des gestes empreints de bonté et de beaucoup de gentillesse à ton égard. Ne sois pas sévère envers toi-même. Que ton cœur et ton âme rayonnent l'abondance et de générosité autant pour toi que pour les autres. Et c'est ainsi que tu vas te sentir bien. Tu vas sentir en toi une légèreté parce que tu auras été généreux envers toi-même et envers les autres. Quel beau message, n'est-ce pas ? Je termine avec l'affirmation positive. Eh bien, aujourd'hui, je prends le temps de respirer. Tout va bien se passer. Mais oui, je prends le temps de respirer. Tout va bien se passer. Ce sont vraiment de très beaux messages, Angélique. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.